C'est un sentiment bien étrange qui me parcourt alors que je rédige ces mots. Ai-je délibérément choisi de les coucher sur ce vélin? Ou est-ce que le destin me dépossède de tout libre arbitre en manipulant jusqu'à la moindre de mes décisions? Peut-être que mes tentatives d'éduquer les hommes servent en réalité les desseins de quelques êtres supérieurs. Peut-être que ces entités ont construit mes choix un à un, me faisant emprunter des chemins balisés par leurs soins pour arriver à ce moment précis de mon existence où je délivrerai enfin mon message. Ou bien n'est-ce qu'une succession d'événements aléatoires, de rencontres, de décisions qui m'ont constitué tel que je suis aujourd'hui? Sinon, est-ce un mélange des deux? Nos vies ayant un début et une fin, toutes deux écrites à l'instar de certains moments clés. Mais le vide entre les deux reste à combler, et c'est le chaos du hasard qui s'occupe de compléter le néant. Il est cependant un être dont l'existence même semble indiquer que le hasard et le destin sont deux revers d'une même pièce, qu'ils s'attirent et se repoussent sans cesse tant leur cohabitation est absurde. Cet être immortel, au savoir immense, est Foursa, dieu du destin et du hasard. Ce surnom qu'on lui accorde souvent est erroné. Outre le titre de dieu que l'on peut remettre en question, tant ce type de créature est complexe et dépasse l'entendement des mots, Foursa ne contrôle pas proprement parler le destin et le hasard. Il en est le gardien et l'exécuteur, le défenseur ultime des secrets les plus enfouis de la création. Il sait chaque chose passée, présente, et si le destin en a décidé ainsi, à venir. À l'origine, Foursa n'est qu'essence. Il est au-delà de notre compréhension, au-delà des mondes, au-delà de la réalité. Ce n'est que lorsque les races mortelles sont apparues que Foursa commence à exister de façon tangible pour régir les multitudes de vies qui grouillaient sur notre monde et les autres. À cet instant où Foursa commença à se matérialiser, le hasard et le destin prirent forme physique sous les traits de deux puissants artefacts. Une paire de dés pour le hasard et un grand grimoire pour le destin. Aucun mortel ne sait comment ces objets fonctionnent, ni quels sont leurs rôles précis dans la toile de l'univers. Tout ce que je peux vous affirmer, c'est que seul Foursa est capable de déchiffrer les préceptes du hasard et du destin. Le physique de Foursa, en dehors de sa maigreur et sa vieillesse séculaire apparente, est extrêmement altéré. Sa peau bleuâtre, noircie par endroits, est recouverte de scarifications représentant les possibilités inavouées du destin. Mais son apparence repoussante est surtout due aux mutilations abominables qu'il a subies pour protéger les dés et le grimoire. Ces artefacts sont l'objet de beaucoup de convoitises et, si les mortels n'ont jamais vraiment espéré les posséder qu'en rêve, il est un immortel qui chercha sans relâche à se les procurer, incapable d'admettre que son destin puisse reposer entre les mains de quelqu'un d'autre que lui. Le grand cornu tenta à maintes reprises de subtiliser les reliques et d'inhiber le pouvoir de Foursa. Lorsque le démon malin prit connaissance de l'existence d'une telle entité, il se mit en tête de la trouver. Foursa résidait à l'époque dans un temple au sommet d'une montagne enneigée. Le lieu sacré lui permettait de trouver la quiétude et la sécurité nécessaires pour protéger les reliques. Conscient qu'il ne pouvait pas tuer Foursa, du moins seul, le grand cornu commença par tenter de le charmer. Pendant 500 lunes et sous l'aspect d'un cerf vertueux, il vint lui déposer des offrandes luxueuses. Pour la première fois de son existence, le grand cornu sut être patient. Il ne demandait rien d'autre en échange pour ses cadeaux. Foursa n'était pas dupe. Il savait très bien qui se cachait derrière les traits de ce cerf. Mais quant à la 500e lune, ce dernier lui demanda de pénétrer dans le temple pour se protéger d'une tempête de neige. Foursa ne sut lui refuser. Le charme avait fonctionné. Le savoir avait été berné par la manipulation. Le grand cornu avait à peine posé un sabot fourchu dans le temple que Foursa comprit son erreur. Mais il était trop tard. Le satyre furieux s'empara par la force du livre et des dés et quitta le sanctuaire laissant Foursa pour mort. Foursa avait été vaincu et privé de ses reliques. Tout espoir semblait perdu, mais le destin trouve toujours un chemin.
Emportant son trophée dans le néant labyrinthique, le grand cornu tenta d'ouvrir le livre, qui tomba subitement en poussière. Stupéfait par ce retournement de situation, il lança les dés, qui se fracassèrent en mille morceaux inutilisables. On raconte que le malin entra dans une rage telle que cieux et tréfonds tremblèrent de peur. Seul le sang de dizaines d'innocents purent calmer son ire destructrice. Foursa, de son côté, s'éveilla dans une mare de sang. Il devait réparer son erreur et restaurer les artefacts. Il s'amputa alors les phalanges de sa main gauche et, grâce à ses os, façonna deux nouveaux dés qu'il grava de runes. Pour le livre, le sacrifice fut plus grand. Il s'arracha l'entièreté de sa peau pour se constituer un vélin. Pendant 100 jours et 100 nuits, il réécrivit sans relâche les préceptes du destin, ne s'arrêtant jamais ni pour manger, ni pour boire, ni même pour soigner son corps écorché à vif. Après avoir très légèrement calmé sa colère irrépressible, ce qui lui prit bien une année entière, le grand cornu repartit vers les sommets enneigés du temple. Sa force brutale, décuplée au centuple par sa frénésie furieuse, il réussit à briser les protections du lieu saint et à y pénétrer sans y avoir été invité. Le démon savait pertinemment qu'il lui était inutile de voler de nouveau les artefacts mystiques. Mais s'il ne pouvait pas consulter les méandres du destin, alors personne d'autre ne le pourrait. Il saisit Foursa par la gorge et déchaîna sa haine sur lui en le battant au sang. Puis, pour s'assurer que plus jamais Foursa ne puisse utiliser les artefacts, il lui arracha les yeux et lui dévora les oreilles. Ne pouvant ni entendre, ni voir, ni sentir, il ne pourrait plus jamais lire les lignes du destin guidées vers sa prédiction. Mais le destin trouve toujours un chemin. Sur la paume et les doigts parcheminés de la main droite de Foursa commencèrent à poindre de petites fentes. Après une longue agonie, les fentes s'ouvrirent enfin pour révéler une myriade de petits yeux arachnéens. Foursa pouvait de nouveau voir. Nul ne sait où il se terre à présent, pas même le grand cornu. Quelques rumeurs subsistent, mais il serait inconscient de ma part de les révéler. Qui sait quel sévice la bête pourrait lui faire subir? Cependant, une question demeure. Foursa est-il réellement le héros du destin et du hasard? Si tout était écrit, pourquoi a-t-il dû endurer une telle souffrance? N'est-il qu'un pion dans un échiquier cosmique qui dépasserait même son statut de divinité? Ou bien son martyr n'est-il que le fruit du sadisme pervers d'entités dont la conception même nous ferait perdre la raison? Gardez-vous du mal, fuyez l'obscurité, et chérissez le savoir plus que tout.